des peuples. Ah, je suis quand même. Maintenant, ça se voit plus du tout. Tu vois, je me mets un petit peu au verre, etc. Pour eux, c'est plus un petit c'est bien intégré. À rabatter. Et en fait, il me dit, putain, on se retrouve pour un suceur de queue et tout. Genre, tu faisais ça exprès pour me faire venir. Et là, quand j'ai arrêté, et lui, j'avais expliqué quand j'étais vraiment jeune, je faisais un peu d'hip-hop, etc. Mais j'aurais jamais parlé du côté rock et tout. Après, je lui dis, bah non, mec, ça fait un bail et tout. Je fais du rock. Ils sont tellement sur le cul. J'aurais monté la vidéo de Salah Carré et tout. T'es, putain, mec, mais t'es un rockeur et tout, t'es un punk. Et du coup, c'est assez marrant de voir si je suis typé pour revenir sur les clichés gays et ça. Mais moi, j'étais en plein dedans, quoi. Le mec est trop parti d'intégration, quoi. Le mec s'est intégré trop, quoi. Alors, moi, je lui expliquais, non, ça vient de plus loin que ça. Déjà au collège j'étais comme ça et c'était pas pour m'intégrer ou quoi que ce soit, c'est parce que tu vois je m'intéressais à des trucs qui me plaisaient, le skate, tu vois. C'est assez fou. C'est tout ça pour aller chercher Nico. Je sais pas comment il fait les autres week-ends en fait. Du coup, c'est pas moi. Bah, je sais pas si c'est pas ses parents qui viennent le chercher. Ouais. Ben, je crois que tout le monde est explosé. Explosé, j'ai failli m'envoyer quelques jours dans le train en plus. Là. Bonjour. Je leur explique plutôt que de s'acharner. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise idée de faire des cœurs comme on voulait le faire au début, mais je pense que là, on va se retrouver vite coincé avec le nombre de choses qu'on va faire en même temps. Ouais, mais les autres morceaux qu'on a déjà composés, t'avais demandé et soumis l'idée de revisiter le son de chaque morceau. Et je pense que quand on revisitera le son de chaque morceau, chaque ampli, chaque potard, c'est pas la même chose que je demande. Ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une part de créativité aussi sur le rêve et le son. Alors attention, quand je parlais de travailler de son, c'était pas du tout pour changer les riffs ou quoi que ce soit, c'était purement le son. C'est-à-dire, ce riff de guitare-là, je le veux avec tant de réverb, tel type de réverb. On finit à 8h, on dort 1h, on se lève, on piège, on recommence, ça vous va ? Mais oui. 1, 2, 3, 2, 3. Ça va, monsieur le parisien, ça va ? Ouais, totalement. Attends, vous êtes trop boring quoi. C'est boring. Boring. Anyway. BTS. Du coup, vous avez vu des gens qui font BTW. Oui. Oh putain, mais moi j'ai envie de claquer. J'ai envie de dormir. Ah, mais grave. Non, mais anyway. Claquer ça aussi, c'est une expression ça. Bonsoir. Bienvenue à cette magnifique soirée. Magnifique soirée. 2. Get ready. Ça va être un bide total.
Good. Good. Putain, ça va dans le sens. Good. Ça. Stan. Faut fumer le croissant prend le temps. Trop tard, trop tard. Ah, merde. Il est passé. Morning live. On reverra dans une minute. Le passage Non, il nous remet tout depuis le début en fait. C'est de la faute si on a enregistré pendant 45 minutes là, tu vois. Et du coup, la moindre partie, bah, j'ai l'impression que. You live to every story. You keep telling all and sundry. Overwhelming her. Ah, c'est le sur deux là. Putain, ça marche pas. C'est un genre de condition. T'es content, hein? Ah ouais, je suis heureux, ouais. Paris, RERB. En fait, c'est simple, du moment où tu prends la voiture, t'arrives à Paris. C'est toujours pareil. C'est une heure de bouchon pour monter jusqu'à la pente d'Orléans. Après, une fois que t'arrives, tu prends le tramway et t'es serré comme une merde parce que tout le monde rentre le dimanche. Tu prends le machin, t'arrives à Saint-Coucher, toi, il y a c'est toujours la porte d'Orléans qui. Ouais, ouais, parce que c'est là-bas les copotes. Bon, ça va, Nico? Oui. Qu'est-ce que tu fais après? Moi je vais mixer. Une fois que j'aurai mixé, je vais faire du post-prod avec live pour essayer de trouver une ambiance. Ah cool. Tu restes ici après ou tu vas à Saint-Thé? Je reste avec Victoria. Ah ok. Là, je mixe. Et tu rentres à Stras quand? Peut-être mardi matin. Comme ça je prends un lundi pour te faire un peu bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais bien. Ça va? À fond. Content? Excellemment content, ça a été super satisfaisant. Bah là, je pense qu'on va arriver sur quelque chose qui va être plutôt cool. Ouais. Bah tous les arrangements comme d'hab, c'est toujours une chose. Bon, on est arrivé à nos 90% du morceau. Donc on va pouvoir faire autre chose. Le mettre de côté. Bah le mettre de côté, faire autre chose. Bah là, ça sera fermé là. Fin mai. Je peux faire un grand week-end. Encore grand ouais, rappel. Je pense, ouais. Ça va, Stan? Ça va. Content? Ouais, c'était un bon week-end. On a bien. C'était on pas bien mal. Bon, on a pas fait tout ce qu'on voulait faire, mais. Ouais, bah non. C'est toujours délicat, quoi. Bah ouais. Mais ouais, je pense que le morceau il est en bon état, là, on peut dire un bon 90%. Hein. Ça va être notre chiffre, ça. Ouais. On va falloir trouver une idée pour un nouveau morceau. Ah putain, ouais. J'aimerais bien essayer de bosser sur Cargo, mais je sais pas si c'est trop tôt, il faut encore la non, laisser bah, comme un j'avais peu. Dit, Cargo, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse le travail sur le son avant. Je pense que ça peut nous aider pour Cargo. D'accord. Que ça nous donnera des idées, je sais pas. Donc ouais, faire un cinquième morceau et après peut-être le sixième morceau, du coup, ouais, bosser sur Cargo. Ouais. Ça peut être...